Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce Will Lundi numéro 19. Alors cette semaine, je vais vous parler de l'interaction que Wilson a avec les gens. Parce qu'à défaut d'interagir avec d'autres chiens durant son enfance, il a beaucoup interagi avec des personnes différentes qui viennent chez moi. Et du coup, il est très très ouvert aux autres personnes. En fait, c'est le genre de chien où n'importe qui peut rentrer chez moi, vraiment n'importe qui, même s'il l'a jamais vu avant, peuvent lui faire un câlin 2 secondes, prendre la laisse, partir avec lui et ce sera son nouveau maître en fait. Wilson, il est vraiment très sociable avec les humains. Malheureusement, il ne l'est pas avec les autres chiens, donc je vous ai filmé un petit peu des moments où il y avait pas mal de gens chez moi quand on a fait une soirée ce week-end pour vous montrer, parce qu'en gros, il y avait des personnes qui n'étaient jamais venues, il y avait des personnes qui commençaient à connaître et tout ça, et vraiment, juste, il les adore, il adore tout le monde. Pour l'instant, il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. En fait, il a jamais vraiment peur des gens, vous voyez, même si c'est quelqu'un de nouveau qui arrive à la maison, juste il les aime directement. C'est vraiment le genre de chien qui va vous adorer et qui va essayer de jouer avec vous tout le temps. Je sais que c'est pas le cas de tous les chiens, et honnêtement je n'inverserai pas ça avec un autre chien, parce qu'il y en a certains qui s'entendent très bien avec les autres chiens, mais qui s'entendent pas du tout avec les autres humains, qui en ont peur ou qui essaient vraiment de... qui veulent pas jouer avec, ou qui veulent justement... enfin qui sont limite agressifs. Et moi je trouve que c'est quand même vraiment bien qu'il ait été sociabilisé. Honnêtement, c'est tout dans... enfin c'est ce que je disais dans le premier lundi, il faut faire le plus de choses quand ils sont petits, faut les habituer au plus de choses possibles, parce que plus ça va être dur en fait. Donc il a été habitué à être en compagnie de personnes quand il était petit. Et regardez la tête qu'il a sous la table quoi. Regardez-le, je veux manger. Mais il a été habitué aux personnes en fait quand il était petit. Et le fait d'avoir des nouvelles personnes maintenant à la maison, il sait que si c'est quelqu'un qui est sur mon territoire ou son territoire du coup dans ma maison, c'est que c'est des gens qu'on apprécie, donc que forcément il va adorer. Donc il a vraiment aucun problème avec ça. Et je trouve que c'est un point plutôt positif, parce que les chiens qui n'aiment pas les humains, je trouve ça plutôt énervant. Je sais pas vous, mais je trouve ça plutôt... voilà, c'est pas... enfin énervant pour le maître plutôt que pour les personnes qui vont à la maison. Mais voilà, du coup... voilà, je vais vous montrer un petit peu ça, cet aspect de notre vie. Wilson qui est adorable avec tout le monde, qui est limite plus adorable... forcément, il est plus adorable avec les gens qu'avec moi quand il y a des gens à la maison, parce que moi, il me connaît par cœur. Et moi, du coup, bon, il m'a assez vu, il a assez joué avec moi. Donc quand il y a d'autres personnes, direct, quand il y a un nouvel invité qu'il n'a pas vu avant, c'est toujours le privilégié, tu vois. C'est toujours avec lui qui va le plus jouer, le plus s'amuser et tout ça. Et en général, les gens aiment beaucoup les chiens. J'ai eu des gens qui ont rencontré Wilson qui n'aimaient pas les chiens. Et qui sont repartis et qui étaient là, ok d'habitude j'aime pas les chiens, mais alors lui, quand vous voyez cette petite tête jouer avec vous et essayer d'être mignon et essayer de dormir après parce qu'il est fatigué, vous ne pouvez pas ne pas l'aimer. On est d'accord, on ne peut pas ne pas aimer les chiens quand on rencontre Wilson. Enfin, pour l'instant, il n'y a eu que du positif. Wilson qui, au bout de la soirée, du coup, il avait le gros pouf pour lui tout seul. Il était ravi. Son nouveau petit panier, qu'il n'a pas pu garder longtemps. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 20e Will Lundi. Au revoir tout le monde.